C'est bien bonheur matin là, eh ben pendant n'a enregistré vidéo ça, mesdames et messieurs, déblosa là éclaté dans Solino, eh ben gagné plusieurs et nègres vivent ensemble qui ont même pris bois calé dans Solino et gagné plusieurs l'autre qui ont même couru à balle sur yo et cal mouri et dans base en météo, nous voulons parler de barbecue Jimmy Cherizet et que eh ben et ancien policier jodia qui ont un plus gros voler qui gagne dans pays, plus gros kidnapper, plus gros gang qui gagne dans pays là. Eh bien, mesdames et messieurs, Moun Solino, et depuis quelques temps, il a demandé la police pour porter au secours, mais franchement, la police, pas jamais, eh bien, porter au secours à Moun Solino, eh bien, eux-mêmes, ils ont décidé pour prendre destin en main, ils ont décidé c'est eux pour faire, ils ont décidé c'est eux pour, eh bien, ils ont une sécurité, eh bien, Abdou, Moun sa ou chapé là, et de vivre ensemble, sortant de là, en pile nègre pour un bois calé, nous pourrons inviter ou écouter plus de détails tout sous dossier. Joseph Michel Matéli, qui, et tombé en bas sanction internationale là, eh ben Matéli là, nan moment n'a pas lié à monsieur, et pas qu'on est, eh ben si pour le faire en haut, si pour le faire en bas, parce que bagay yo vraiment grave pour Sweet Mickey, avec divers alliés, eh ben des nègres qui ont supporté Sweet Mickey. Nous parlons fortement de plus de détails dans la vidéo ça. Rete connecté la tourne. Général, au courage, avec détermination, nous saluons chaque membre de la force révolutionnaire, nous saluons chaque membre de la force, nous saluons en peuple haïtien en général. Aujourd'hui, dans nos vivants ensemble, nous venons là pour nous présenter excuses par chaque grand monde qui est victime de mouvements levés comme ça que nous-mêmes vivons ensemble. Nous voulons que la population civile connaît que nous n'avons pas affaire avec eux. Et nous déplorons un peu le caïmoun qui est déchouqué, un peu le caïmoun qui est écrasé. Mais nous prenons sous responsabilité, nous connaissons très bien qui côté nous avons déchouqué, nous connaissons très bien qui côté nous avons écrasé. Nous en affaire avec l'État délinquant, nous en affaire avec l'État sanguinaire. Il était facile pour nous et que pour nous identifier, machine l'État, directeur général, ministre, monde qui était ancien député et sénateur qui volait l'argent paysan et que nous avons un vrai ennemi. Nous avons un monde qui mène le pays là. Mais cependant, pour l'équipe qui a été malheureuse, qui a été déchouquée, qui a été écrasée, ça a vraiment fait nous mal. Et nous, les populations civiles, nous connaissons que l'objectif n'est pas eux-mêmes et que ce n'est pas ça que nous souhaitons. Aïssé Frère Semyo, levé campé. De partout à travers tout le monde, tout ce qui remet, tout ce qui croit dans le commissaire Muscadet, eh bien, levé campé parce que dans le moment où on a parlé là, après toute information qui tombe dans déplamé nous sur Channel ça TV la caille mesdames et messieurs gen gros et ben décision qu'a prend là et fon di gen gros complot tout et bien pour révoquer commissaire Muscadet. Commissaire Muscadet un commissaire que tout peuple haïtien remet bon, pour ne pas dire toute majorité parce que pile nèg qui pas remet commissaire Muscadet. Eh bien, je dis à la, après tout bon travail, nous connaissons le commissaire Muscadet a fait. Il faut que nous pas oublier tout, comme divers autres commissaires gouvernement, eh bien, qui ont même été joints avec Muscadet pour être capable de faire un trio, pour être capable de mettre l'ordre dans des autres vagabonds à travers tout département. Eh bien, je dis à la, il y a un gros complot qui a fait pour révoquer le commissaire Muscadet et ses ministres. Justice là, et qui lui-même a mani gansé tout désordre ça avec Gary Kony pour être capable de révoquer le commissaire Muscadet. Est-ce que c'est un bagay mal le commissaire Muscadet fait? C'est question qu'a posé. Est-ce que tout c'est parce que monsieur a crasé Bouda Bandio, monsieur a metté un paquet de gros hommes d'affaires dans le courrier parce qu'il a utilisé l'insécurité pour faire millions? Nous pas connaissons. Eh bien, le commissaire Muscadet là, monsieur gagne un gros danger qui pendait sous tête li. C'est des ordres. Et nous dit que yon moun qui c'est américain ou pas capable de sanction. C'est tout arrêté, c'est ça lié, c'est pas l'autre bagaille. Si les États-Unis font travail tout bon, yon pas capable de sanction. C'est pour tout arrêter Matéli dans le moment où on a parlé là. C'est ça le doué. Eh bien, je vais vous parler de dossier Michel Joseph Michel Matéli, sanction contre Michel Joseph Michel Matéli après Michel. Je vais parler de ce qui prend pouvoir en Haïti immédiatement, autorité américaine, de ouvrir une enquête sur lui. On a révélé un petit bateau qui était sorti dans le pays Colombie dans le mois d'avril 2015, qui est transporté en Haïti et puis tout débarqué avec 700 à 800 kg de cocaïne
plus de 300 kilos d'héroïne qui évaluait à plus de 100 millions de dollars américains, mais sous autorisation Michel Joseph Martelly, 100 millions de dollars américains. Et une baie bateau si ça peut nous songer et à cran. Et pourquoi pas, nous allons parler et Dimitri Hera qui était notre impliqué dans le dossier ça. Nous voyons notre bord encore, selon ça Aïbo Poste. Mais c'est rapporté en 2018, Michel Martelly s'est transporté mais drogue pour Colombie. Mais il a été révélé, mais ancien directeur général à PNH, mais Mario Andresol dans une interview exclusive, l'ITBAI avec Arnaud Aubin pour Aïbo Poste en 2018. Même je l'ai dit, Michel Martelly, c'est qu'on transporte des drogues mais pour Colombien. Mais il était révélé ancien directeur de la police. Mais question de poser tout, est-ce que André Sol, parce qu'il a assez pouvoir pour arrêter Michel Joseph Martelly. Mais il y a plus de questions qu'à poser du ministre qui est en sanction États-Unis bail. Ancien président Michel Martelly, il avait dit, nécessairement, il va arrêter pour l'ISA aux États-Unis, mais plutôt ça va conduire avec sanctions mondiales. Nations-Unis plutôt. D'ailleurs, ancien président a vécu actuellement aux États-Unis, Michel Martelly, pape en Mésie, et seulement pour lui accès avec compte bancaire, avec l'autre investissement, il y a un rapport avec l'argent aux États-Unis ou bien ses affaires. Mais tu nous entendais, avocat Michel Martelly demandé, mais si client n'a pas accès avec l'argent compte bancaire, et mais nous avons dit Michel Martelly sous contrôle et même interdit pour quitter le pays États-Unis. Et bien là, nous avons avocat Michel Martelly qui a même demandé pour créer un espace pour clients qui ont aussi dégagé. Et nous même qui contrôlons là, dégagez là, ou même qui donne Martelly, qui a le Martelly, ou même qui défendre Martelly, dégagez pour ce que va Martelly. Mais travail bon côté, mais il faut qu'il y ait un travail qui est trop légal. Mais ce petit bagaille en bas, qu'on a là Michel Martelly qui est en panne des jobs là, mais ça fait un millionnaire, mes amis, de vos potes des cailles. Eh bien, on a fini avec information sur Michel Martelly. On va parler du département de trésor américain, faire connaître pouvoir en intégrité sanction au patio. Vini non seulement de capacité pour sanctionner le monde, mais tout, volonté pour lever ce tout. Conformément à Gérard Radin, c'est un document, nous consulter. Il y a même entité américaine, ça, va être possibilité à mon qui concerné pour demander retirer tous les sens. Chaque année, au plus ça, retirer plusieurs mondes. Ou bien entité sous liste sanctionnée, c'est maintenant chaque retrait basé sur un examen en profondeur, monsieur. Et là encore, Guy Joudan nous a parlé. Michel Martelly, selon André Sol, qu'on a transporté drogue pour pays Colombie, Joudan. Monsieur, juste avant, ma page ton bagaille, nous, depuis semaine ça, ils ont annoncé le retour de Mickey. Les retours de Mickey pour diable son Martelly qui fait une grande monde pour diable qui va même qu'à parler, aller voir pour chanter. C'est ce que c'était avant ça que son ça a tombé, monsieur. Et équipe Martelly a été au courant. Est-ce que je dis à là, étant donné que monsieur n'a pas accès à l'argent, est-ce que c'est raison ça qui fait que lui annoncer le retour de Mickey, étant donné qu'il connaît le pape qui a accès à l'argent, qui fait que monsieur fait une foule, il faisait fait balle, il faisait fait comme cash. Est-ce que c'est à ça qui t'a dit ça ou c'est l'autre bagaille? Parce que je ne sais pas quoi, il y a quelqu'un qui a envie d'attendre Mickey là, monsieur. En sérieux. Et pendant ce temps, Haïti là, il y a une annonce sur l'équipe balle lui-même. Vous équipe balle qui a annoncé avec Tidjo Zeni. Oui, oui. Oui. Bon, ça va fonctionner. Il va faire ça, ça va fonctionner. Peut-être qu'il y a au courant, parce que ça va être un contact, il y a un pouvoir. Il y a au courant, sans que chaque balle prenne en compte. Et puis, il y a un peu de affiches, ça va se déposer pour le café comme. Et puis, ça qui arrive tout, il y a au courant, tout bon, c'est des compliqués qui transpirent sur l'autre monde. Mais quand ça marche là, ça va, c'est ma flamme basse Galilda. Eh bien, et le nouveau là, c'est ça lié. Bon, on a rendu ce qu'on a dénoncé, ça depuis longtemps. Tout le monde a rendu ce que j'ai en la police. Après ça, il participe dans plusieurs médias, il participe au plan lui pour être capable de venir bailler ça le connaît sur ces dossiers. Il est toujours qu'on a parlé de Martelly. Monsieur même dit qu'il y a quelqu'un qui peut dire Martelly, qu'on a posé des drogues, tout ça. Malheureusement, on a parlé de ça. Mais,